Avec 69,78% des voix, dès ce premier tour, ce sont 5121 poneaux qui ont véritablement plébiscité Laurent Wauquiez. Un vote de confiance et un large encouragement à poursuivre sur sa lancée, son mandat au Puy-en-Velay. Vous savez, la dernière fois, ça m'avait beaucoup touché parce que les poneaux m'avaient fait confiance. C'était une victoire, mais là, c'est un rassemblement. Et pour moi, c'est encore plus important. Rassembler, c'est beaucoup plus fort que gagner. Et qu'il nous ait suivis là-dessus, ça me touche énormément. Loin derrière, le candidat socialiste Laurent Joigny, 31 ans, ne peut que constater le résultat de ses tout premiers pas en politique. Avec un score de 25,29% des voix, Laurent Joigny décroche seulement 4 sièges au conseil municipal. Les résultats sont difficiles, après la démocratie est difficile. L'apprentissage est parfois difficile, mais il y a plein d'espoir dans ce résultat. On sait que dans l'avenir et dans les 6 ans qui viennent, nous aurons à poursuivre ce travail. La liste Front de gauche, l'humain d'abord, menée par Michel Chaumet, totalise quant à elle 4,93%. La participation, bien moins bonne qu'en 2008, n'a pas permis de mobiliser les électeurs de gauche au Puy-en-Velay.